Le passage donc de l'UMIR à l'opposition, si le CDP n'y était pas. Bon, je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il se croit obligé de dire chaque fois pourquoi il est à la majorité. C'est un choix politique. Alors, maintenant, quand il dit que lui serait resté à l'opposition, si le CDP n'y était pas, est-ce qu'il a la nostalgie de l'opposition ou pas? C'est peut-être ça. Bon, s'il veut, il n'a pas le faire devant les plus, on va examiner. Maintenant, je peux vous dire cet homme de choses. Par rapport à l'évolution de la scène politique au lendemain de l'élection présidentielle, et notez bien, parce que c'est la première fois que j'en parle en public, quand nous sommes sortis des élections de 2015, et que donc le PP a gagné le pouvoir, il y avait une sorte d'attentisme au sein de ce que j'appelle le canal historique du CFOP. Par canal historique du CFOP, j'entends l'ensemble du CFOP avant que le PP n'arrive. Et le PP était silencieux. Donc personne ne savait ce qui allait se passer. Les différentes parties de l'ancien CFOP ont commencé à se concerter. Et chacun a pu nous dire, est-ce qu'ils t'ont parlé? Non, ils n'ont rien dit. Ah bon, ils n'ont rien dit. Et eux-mêmes et d'autres tournaient autour du chef de file que j'étais pour dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? À un moment dit, on s'est dit, mettons-nous ensemble à Chirongou. Et on s'est dit la chose suivante. Ces gens-là, nous on sait qu'effectivement, ils ne sont pas à même d'apporter le vrai changement. Parce qu'on a vu leur parcours. Mais ça fait mal en même temps qu'ayant fait tout ce travail pour l'insurrection-là, on est dans une situation où eux, c'est eux qui vont la gérer. Dieu faisant les choses, ils n'ont pas de majorité. C'est là que certains filous politiques que je n'ai pas nommés ont dit, mais si c'est ça, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une majorité alternative pour les obliger à une cohabitation et être sûr qu'on mettra en œuvre un programme de vrai changement? Je ne dis pas les noms, mais vous devinez qui c'est non. Et chemin faisant, les gens disent, mais on partage le pouvoir fondre. C'est là que certains ont dit, bon, le grand parti donc, de l'opposition, si tel est le cas, prend la primature, est-ce qu'on peut avoir la présidence de l'Assemblée nationale? On a dit, bon, si on négocie avec le CDP, qui est le deuxième dans le groupe là, peut-être qu'il a accepté. Les gens étaient d'accord pour ce débat. Et c'est moi, on m'a dit à moi, que parlons au CDP pour voir, si on se met ensemble là, qu'on crée une majorité alternative de vrai changement pour imposer une cohabitation, est-ce que certains peuvent avoir la présidence de l'Assemblée nationale? C'est dans ces entrefaits-là que certains ont été appelés pour dire qu'à défaut de la présidence, même si la vie, c'est la problème, c'est pas mal. Vous savez, c'est pas juste une chose de pays-là, hein, et c'est la première fois que j'en parle. Donc, c'était des calculs politiques avec un pied ici, un pied là, mais contrairement à ce qu'il dit, il était bel et bien prêt à être dans une majorité du CDP. Ça dépendait de ce qu'on donnait. Et quand vous lisez son interview récente, il a dit, si on était resté à l'opposition, on allait avoir mieux. Et que le fait qu'on soit parti là-bas, c'est un sacrifice. Ça dit tout. Ça dit tout. Donc, c'est un faux truc. Aucun de ces partis là-bas là, ne peut dire qu'il ne veut pas s'asseoir avec le CDP. Ça dépend de ce qu'on lui donne. Au niveau de l'Ouara FM,